Personne ne savait ce qui attendait nos héros. Ils n'avaient pas vu d'hommes, de femmes ou d'enfants depuis longtemps. Les morts-vivants avaient tout transformé et ils étaient désormais entourés par le mal. Mais nos héros devaient poursuivre. Ils étaient à la recherche de la tombe. Le magicien était sûr qu'elle appartiendrait à l'un des fondateurs de l'Académie Astrale, un des trois gardiens. S'il trouvait sa tombe, peut-être qu'il pourrait trouver un sort pour les délier du Trail. Où sommes-nous ? Nous sommes sous l'Académie Astrale. Personne n'est venu ici depuis des décennies. Ha ha ! Mon épée va vous montrer le chemin ! Suivez-moi ! Thank you.
Regardez ça! Ça doit être la tombe! Oui, vous avez raison. C'est la tombe du gardien. Elle est recouverte d'inscriptions. J'ai besoin de temps pour les traduire. Tandis que le magicien lisait les inscriptions, il commença à comprendre les légendes des artefacts. Il y avait jadis trois gardiens, chacun possédant un artefact à protéger. Le Trine était l'artefact de l'âme et de la vertu, ainsi qu'un catalyseur pour les pouvoirs du bien qui avait aidé à instruire en silence les bons magiciens de l'Académie Astrale. Les deux autres artefacts n'étaient mentionnés que brièvement. Le deuxième, qui se rapportait à l'esprit et à la puissance, se trouvait dans le grand château au milieu du royaume. Listen to the Game est un podcast produit par Podcut. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts du label sur podcut.studio. Et si vous avez l'âme et le porte-monnaie d'un mécène, un Patreon est aussi là pour les soutenir. Vous pouvez aussi retrouver le podcast sur Twitter, @lttgpodcast, ou sur Facebook. Je rappelle qu'une présentation globale du concept est disponible en épisode 0. Merci de votre écoute et à très vite. Hey, listen.